Au nom de Jésus. Que son âme se restaure. Maintenant, là où son âme, puisque vous l'avez volé. Au nom de Jésus, que son âme. Je commande au nom de Jésus-Christ. Je récupère maintenant tout ce que vous voulez. Au nom de Jésus. Et je le scelle dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Celle sa vie de prière dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Sa vie de jeûne dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Sa vie de méditation. Au nom de Jésus. Sa vie de consécration. Au nom de Jésus. Tout ce que vous l'avez voulu, ses étoiles sont scellées dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Et maintenant, elle reçoit son âme. Elle reçoit. Elle reçoit son âme. Elle reçoit. Son âme sort de la prison. Elle reçoit. Son âme sort. Il sort. Son âme sort. Sort. Je presse, déchire la main. Voilà. Tu veux l'étrangler, excuse-moi, tu veux l'étrangler. Toi, esprit de mort, tu t'en donnes maintenant. Le chronomètre 15:55. Non, je laisse bon. Au libre. Continue, continue. Tu bois le sang. Tu bois le sang. Tu bois le sang. Bois le sang de Jésus. Je vais le mettre là à l'instant. Que ton manteau, regarde. Je prie le sang. Les déchets. Les amis. Les amis. Les amis de l'esprit de mort. Maintenant. Je mets dans le sang. Le sang de l'agneau. Il t'en livre au nom de Jésus. Ton esprit de mort, écoute ce que la parole de Dieu déclare. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? 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 Ô mort, où est ton aiguillon? 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 Ô mort, où est ta victoire? 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 Allez, allez, va le vomi. Maintenant, tout aiguillon de mort, remonte sur elle. Sors. Prise tes os. Casse tes os.
Et retire ça et jette. Allez, retourne maintenant. Je vais la faire. Je perds le père. Non, je suis. Je retourne maintenant dans l'enfer au nom de Jésus. Et retire ça maintenant. Jette ça. Et retire tout ce que tu as mis. Jette. Et retire ça maintenant. Jette. Sa mémoire. Au nom de Jésus-Christ. Je plonge sa mémoire dans le sang de Jésus. Voici le sang de l'agneau qui descend maintenant. Le sang de Jésus. Pour restaurer. Le sang de Jésus. Tout ce qui t'a mis dans sa tête. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus descend maintenant. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Maintenant le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus, 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 le sang, le sang, le sang de Jésus, le sang, le sang, le sang, le sang, toutes ces manches de folie. Commence à sortir d'elle maintenant. Car cet enfant encore après Jésus-Christ. C'est pourquoi je lave son cerveau à le sang de Jésus. Sa mémoire est le sang de Jésus. Pour son cerveau, le sang de Jésus. La mémoire de le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Alors, ça sort. Je nettoie ses yeux par le sang de Jésus-Christ. J'arrache tout. Je nettoie ses yeux maintenant par le sang de Jésus. Enlève. Je nettoie ses yeux par le sang de Jésus-Christ. J'arrache. Je nettoie ses yeux maintenant. J'enlève ça maintenant. J'enlève ça maintenant. Lave ton visage, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, lave ton visage, reste ton visage. Tu vois tout ce qui t'a mis encore dans son cerveau. Le sang de Jésus vient restaurer maintenant sa mémoire. Il te jette le sang de Jésus dans tes oreilles. Il rentre maintenant dans sa mémoire. Il purifie maintenant la mémoire. Toutes ces liens liées à la folie sortent maintenant. Toutes ces liens liées à la folie, la lâche maintenant. Sors! Toi, esprit de mort! Maintenant, Jésus-Christ. Allez, retourne en enfer. Et va dire à ton maître Satan. Au nom de Jésus, va dire à ton maître Satan que chouin ne s'arrête. Vous sortez par le vomi, vous sortez par les 16 chemins, allez vous livrer la vie de ce fond. Sortez d'elle par le vomi, allez vous lâcher, vous la livrez au nom de Jésus. Ça descend maintenant. Feu! Au nom de Jésus-Christ. Feu! Descends de boules de feu, de charbon de feu. Descends, ça passe. Tout acte de mort, j'avais été érigé contre la vie de grâce. Par le sang. Je saisis l'acte de mort. Est-ce que l'acte de folie? Tout acte de mort, et c'est une lame de folie. Les saisis maintenant. Les saisis là de mort et là de folie. Et je déclare à partir d'aujourd'hui que tout ce que vous avez proclamé contre la vie de cet enfant, cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Quand le livre d'Isaïe 7 déclare que cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. C'est pourquoi là de mort. Il l'a dit à la folie. Je déchis au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus t'a fait. Il y
J'ai enlevé, viens toucher là-bas. Viens toucher là-bas. Ton esprit lié à la folie. Voilà. Au nom de Jésus, c'est pourquoi tu emmènes l'esprit impur. Tu vas libérer la vie. S'ouvre maintenant. Et j'ordonne à l'âme de grâce de sortir maintenant. Sors de Jésus. Grâce. Sors de cet homme. Sors de cet homme. Sors de la mort à la vie. Tu passes de la mort à la vie. Tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes de la mort à la vie. Tu passes des ténèbres à la lumière. Maintenant, sors de toute captivité. Allez, sors maintenant. Sors. Maintenant, vous êtes plus. Allez, libérer la vie de cet enfant maintenant. Allez, retourne en enfer. Retourne en enfer au nom de Jésus. Quel âme de Dieu vous saisit, vous attache, vous touche dans ce corps. Oui. Vous lie maintenant. Tout ce qui est lié, ce qui est lié dans les cieux. Quel âme de Dieu vous lie, vous tous. Maintenant, vous tous ceux qui sont dans ce corps. Sortez. Que la terre maintenant vous avale. Au nom de Jésus. Que la terre vous avale. Au nom de Jésus. Sortez. Au nom de Jésus. Allez, libérez-la maintenant. Elle reçoit son. Au nom de Jésus. Elle reçoit son. Allez, vous retenez en enfer maintenant. Elle reçoit son âme par la lumière. Elle reçoit son âme par la lumière. Elle reçoit son âme par la lumière. Jésus-Christ. Tu parles de la mort à la vie. Et tu reçois la vie au nom de Jésus. Comme Dieu avait créé Adam, il a souffert dessus de Dieu. Tu reçois la vie. Que ton âme reçoit 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 la vie. Grâce. Reçois la vie. Que ton âme reçoit la vie. Grâce. Que ton âme reçoit la vie. Au nom de Jésus. Grâce. Que ton âme reçoit la vie. Au nom de Jésus. Tu reviens à la vie. Tu reviens à la vie. Tu reviens à la vie. Tu reviens à la vie maintenant. Tu reviens à la vie maintenant. Tu reviens maintenant à la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Assieds-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois fortifié. Que le Seigneur te fortifie. Vous voyez comme l'ennemi est méchant. Vous voyez comme Satan est méchant. Il pousse la jeunesse à la débauche. À la débauche sexuelle. Après quoi, il va te conduire en enfer. Sais-le. Fais bien ton travail. Il te pousse encore à la débauche sexuelle. Dans tout ce qui est œuvre de la chair. Oh, la parole de Dieu déclare que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit.
Et toi, tu te plais dans le mensonge, dans l'impudicité, dans le vol, dans tout ce qui est œuvre de la chair. Réponds-toi et viens à Jésus-Christ. Quand les temps sont finis, quand un enfant n'est rien du tout, l'ennemi l'a poussé encore à vivre une vie de débauche sexuelle. Une vie de débauche sexuelle était remplie par l'esprit de Jézabel, l'esprit de prostitution, l'esprit de la séduction. Mais par la grâce de Dieu, tous ces esprits sont partis. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous fortifie. Il avait enchaîné, en fait. Donc, à force de torturer. Il avait enchaîné tout ça. Voilà. Que le Seigneur te fortifie. La partie là, c'est grâce. Ça va. Il avait enchaîné. Ça va. Les grosses chaînes. Regarde, tu vois, nous. Les traces, elles sont restées. Vous voyez, elle était enchaînée dans une grosse chaîne qui serrait tellement son cou. Les traces sont visibles parce que la caméra n'est pas bonne, mauvaise image. Sur les traces de la chaîne sont visibles. L'ennemi l'avait enchaînée. Elle a sorti son cou libéré. Grâce, comment tu te sens? Ça va. Et son voile. On voit son voile. Ça va bien. Descends bien. Pas le foie, la caméra devant toi. Lorsqu'on priait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu? Genre, un serpent qui est un homme. Elle a vu un serpent avec? Beaucoup d'yeux. Elle a vu un gros serpent avec beaucoup d'yeux, oui. Elle a vu aussi, elle a vu un homme en tout noir en train de rôder. Oui. Là, c'est l'esprit de mort. Parce qu'elle avait un esprit de mort, un esprit de prostitution. Elle avait un serpent serein qui l'a poussé à aller de homme à homme, aller séduire les hommes et coucher avec les hommes. Oui. Quoi d'autre? Parler plus fort, on va dire sinon les ventes. Je pense que c'est une personne qui est en train de marcher. Et des choses sans sens. Elle avait une personne qui ressemblait à un fou, c'est ça non? Elle avait une personne qui ressemblait à un fou. Voilà qui est sortie aussi d'elle. Parce que l'ennemi voulait la pousser maintenant à la folie, à la dépression. Oui. L'être étrange, tout ça, comme si quelque chose quittait son front. Il y a quelque chose qui était tout rouge, rouge, c'était tellement propre, mes yeux ne pouvaient pas. Il y avait quelque chose qui se ressemblait, qui avait la couleur rouge, qui était tellement propre comme du sang. Propre. Oui, et ça, tellement c'était propre à prier. Et ce sang-là. Ah, c'est bon. Oui, elle s'est retrouvée dans. Dans un cercueil, elle s'est vue retrouvée dans un cercueil, couchée dans un cercueil. Ça, c'était l'esprit de mort. Et par la suite. Donc après, elle s'est vue sortir. Tu as vu comme si l'endroit avait changé, mais la tente est comment? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, bien aimé, c'était un peu ça. Le Seigneur lui-même qui opérait sa délivrance. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui délivre. Nous sommes des canaux, voilà, que le Seigneur utilise pour opérer la délivrance de la vie de ses enfants. C'est pourquoi toi qui souffres encore d'ordre spirituel, toi qui la nuit, tu as des couches de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit, nous t'invitons encore. Et ici, nous préparons encore une épouse pour le royaume des cieux. Toi qui es encore de l'église de la voie large, nous t'invitons encore à reconsidérer tes voies. Car sans la sainte doctrine, sans la sanctification, nul ne peut voir encore le Seigneur. Et Hébreux 12, 14 déclare que sans la sanctification, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc toi qui vis encore dans le péché, toi qui vis encore de la duplicité,
le Seigneur te donne encore l'occasion de te repentir et de rechercher sa face dans la sainteté. C'est en cela que tu verras le Seigneur. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas vivre encore dans le péché et prétendre encore adorer Dieu. Tu ne peux pas vivre encore dans le mensonge et prétendre adorer Dieu, dans la duplicité. Tu es chrétien ou tu es chrétienne et c'est toi, tu as une copine, tu as un petit ami et tu te dis encore enfant de Dieu. Répands-toi et reviens à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.